c'est, ça ne nous regarde plus, ça n'est pas dans nos mains. N'est-ce pas ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, qu'on le veuille ou non, tout ce que nous faisons de vraiment sérieux, même si je choque certains d'entre vous, ça m'est parfaitement égal, c'est la démonstration de Dieu. Si vous ne voulez pas qu'on dise Dieu, vous voulez dire le pouvoir suprême, le numéro un, ça, c'est un jouer sur les mots. C'est quelque chose qui est donné. Alors, il y a ce merveilleux mot de don, il est doué. C'est un mot comme Fort, avec son accent un peu du midi, le disait, c'était, il avait un tel respect, une telle tendresse, il est si doué. Et on sentait qu'il se disait, voilà un petit qui a un signe, n'est-ce pas, c'est tout. Ça n'est pas la faute de celui qui l'a, mais celui qui a là a une responsabilité effrayante, parce que s'il a le don extraordinaire, s'il a une technique extraordinaire, mais qu'il n'a pas un caractère, tout est perdu. Je suis séparé de deux élèves parce que je savais, je ne voulais pas coopérer à ça. Très doué, très intelligent, non, hein, n'a pas beaucoup de technique non plus, mais enfin, très doué, très intelligent, mais pas de caractère. Eh bien, sans caractère, on ne peut attendre rien de personne. Nous avons à faire très très attention, vous allez être des professeurs, vous allez être des exécutants. Si vous êtes des exécutants et que vous jouez en toute honnêteté, pas pour vous exprimer vous-même, mais pour exprimer l'œuvre, pas pour essayer de dire ma sonate de Beethoven, mon scherzo de Chopin, mais le scherzo, pas même de Chopin, ce scherzo, il a été donné à Chopin d'écrire un morceau qui n'a plus besoin de Chopin pour être un chef-d'œuvre. Alors, c'est tellement beau, il n'a plus besoin de l'exécutant, il n'a plus besoin de l'auditeur, il n'a plus besoin de rien, il est dans l'air comme resplendissant de lumière. Et puis, vous le regardez ou vous ne le regardez pas,